Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. C'est l'un des témoins chefs du massacre du 28 septembre 2009. Mokhtaba, le correspondant de la Radio France Internationale, est à la barre ce lundi 9 octobre 2023 pour livrer son témoignage sur les exactions de 2009. Il était au stade le jour des atrocités. Dans ses explications, le journaliste a rappelé les événements à l'abbé où le capitaine Moussa Dadis Camara était en visite. Alors, le 27 septembre, le président de la transition Moussa Dadis Camara et ses proches se sont rendus dans la capitale de Fouta, Djalon, où ils devraient rencontrer la notabilité de cette région importante de la Guinée. C'est là où il dit avoir reçu une première menace venant de l'équipe de la garde présidentielle. Le jour fatidique du 28 septembre, de retour à Conakry, Mokhtaba s'était rendu au stade du 28 septembre où les forces vives avaient appelé à la tenue d'un meeting pour exprimer leur opposition à la candidature de capitaine Moussa Dadis Camara à la présidentielle qui était prévue en 2010. Sauf que les choses ont tourné au vinaigre. Dans la poursuite de sa déposition, le correspondant a raconté avoir aperçu une forte mobilisation des citoyens qui tentent la belle vue pour le stade. De l'autre côté, une équipe d'hommes armés conduite par le colonel Moussa Théoboro Camara. Cet officier de la gendarmerie aurait tenté de convaincre pour que les manifestants adhèrent à leur mouvement, mais en vain. Toutefois, le désordre aurait commencé à partir du moment où le colonel Théoboro a demandé à ses hommes de changer selon les termes de Mokhta Diallo. Revenant sur son cas particulier, le journaliste dit avoir été arrêté avec son confrère Amadou Diallo, aussi correspondant de la radio BBC. Ils ont été embarqués dans un pick-up de la CMIS. Dans cet engin, le correspondant dit avoir été victime et volé. Ils m'ont malmené et ils m'ont gâté mon micro et mon téléphone. Quand on a retiré une TPL, ils nous ont dit de se mettre à genoux. Je leur ai dit que je suis journaliste. Ils m'ont obligé ensuite. Ils m'ont tapé dans le dos. Je suis tombé. Ils étaient des bérets rouges. Rien que des bérets rouges, a témoigné Ba, ajoutant avoir été dépouillé aussi d'une forte somme d'argent en devise en francs guinéens. Lui et son compagnon d'infortune auraient été libérés grâce à l'intervention d'Assoumane Camara. Des corps emportés vers Famba. Mokhtaba affirme avoir vu des jeunes tomber sous les balles pendant qu'ils escaladèrent le mur pour fuir. Le journaliste persiste qu'il ignorait la provenance des balles. Une dame est venue me demander de l'aider. Elle m'a dit qu'il y a des femmes qui se faisaient violer au palais des sports et ça criait à l'intérieur, explique-t-il. Pendant qu'ils quittèrent leur cachette sous escorte, Mokhtaba affirme qu'il voyait des corps partout. Selon lui, il y avait au moins 50 000 personnes au stade. Le journaliste dit avoir été appelé un peu plus tard lors de ce coup de fil. On lui avait confié que 84 corps ont été ramassés au stade et embarqués dans des camions militaires aux environs de 23 heures pour être enterrés vers Imbaya, où se trouvèrent la fameuse fosse commune que l'ONG de défense des droits de l'homme ne cesse d'évoquer dans ce procès. À ce niveau de son intervention, il a été amené à déclarer la source qui lui aurait confié cette information sur le cas des corps, mais il n'a pas grigné le fer à cause du respect de la source, comme l'enseigne la déontologie du journalisme. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.